Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la belle chanson de Chico Buarque qu'il a écrite en 1997, extrait du film éponyme réalisé par Walter Lima Junior. Alors, elle est écrite originalement en mi majeur, mais j'ai transposé en do majeur, d'abord pour que ce soit plus facile pour vous, puis aussi pour éviter d'utiliser la transposition interne de nos pianos numériques. Il n'y a donc pas de transposition à appliquer, mais je vous recommande néanmoins de toujours lire la description de tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement. Si elle est à zéro, symbolisée par les deux lettres K et T en anglo-saxon qui transposent, c'est qu'il n'y a rien à modifier. Aujourd'hui, par exemple, c'est zéro. Voilà. Donc, mais néanmoins, bien entendu, rien ne vous empêche, bien au contraire, d'augmenter ou de diminuer la transposition interne de votre clavier si cette tonalité n'est pas ajustée à votre voix. Par exemple, si vous souhaitez la chanter dans la tonalité originale, vous allez rajouter deux tons, c'est-à-dire un, deux tons, donc un, deux, trois, quatre demi-tons à partir du neutre, voilà, en plus, et vous allez vous retrouver, vous voyez, l'orné en do, un, deux, trois, quatre, en mi majeur. Vous, c'est peut-être de manière digitale sur votre piano, ici, c'est de manière relativement mécanique parce que le piano est ancien, mais ça revient au même, voilà. Et puis, si quatre demi-tons, c'est trop, enfin, vous en prenez que trois ou deux, ou vous descendez si vous voulez encore plus grave. Enfin, c'est là l'énorme avantage de la transposition interne du numérique. Voilà. Alors, un dernier mot, vous trouverez aussi dans une autre vidéo sous le titre Guide l'ensemble de la chanson, comme d'habitude, pour vous aider à la compréhension générale. Alors, l'introduction, on ne peut pas faire plus simple, elle est apocryphe, hein, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de chanter et de faire les harmonies. Donc, on va en profiter, on va faire un Do majeur 9e. On va en profiter d'ailleurs pour. Donc, on va regarder la gamme de Do, comme d'habitude, hein, bien sûr. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 en degré. 6, majeur 7e, octave. Alors, Do majeur 7e. Je vous donne toujours cette astuce. Regardez bien le Do, il y a des Do partout, hein, au-dessus, en dessous. Chaque fois que pour faire la différence entre le majeur 7e et la 7e, un demi-ton en dessous du Do, vous trouverez toujours la majeure 7e et un demi-ton en dessous la 7e. Par exemple, tonal, tierce majeure, quinte majeure, 7e. Tonal, tierce majeure, quinte majeure, les choses, majeure 7e. Majeure 7e, pourquoi? Parce qu'à partir de la quinte juste, 1, 2, 3, on est en élévation de 4 demi-tons, c'est une tierce majeure, donc majeure 7e. Et un demi-ton en dessous, c'est une tierce mineure dominante, voilà, à partir de la quinte majeure. Donc, Do 7e, Do majeur 7e. Ce ne serait pas une astuce si ça ne fonctionnait pas dans toutes les tonalités. Mais vous allez voir qu'on va y avoir recours en permanence, que ce soit dans cette chanson ou tout ce que vous trouverez sur ma chaîne. Et cette astuce, elle est très importante parce que vous pouvez l'appliquer, c'est universel, hein, sur tout ce que vous trouverez aussi ailleurs. Hein, chez des personnes, ils font des très beaux tutoriels aussi, mais ils ne le disent pas. Donc là, avec, je trouve que cette précision harmonique est extrêmement simple. Et c'est une astuce qui vous aidera beaucoup. Donc là, on va commencer en revanche par un Do 9e. Pourquoi 9e? 1, 2, vous allez me dire, oui, mais c'est la seconde, oui, mais c'est également la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme c'est une extension, n'est-ce pas? Eh bien, on a couramment usage de dire que c'est Do majeur 7e, 9e. Donc, qui comprend Ré, Mi, Sol, Si. Voilà. Donc, descendant ou ascendant, faites comme vous voulez, voyez, comme une harpe. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est 2 degrés de possibilité. Pour mes amis ultra débutants, on va la jouer, on va avoir toutes les harmonies en balade et on va chanter. Et puis après, à la fin, enfin, dans une deuxième partie, on va faire la bossa nova comme ça. Parce que, on regardera comment on articule finalement notre main gauche, hein, n'est-ce pas? Donc là, ça va être extrêmement simple, vous allez pouvoir vous régaler, chanter. Alors, la note de début, on n'a pas vocation à faire la mélodie, puisque la mélodie, c'est notre voix qui l'a fait, nous on fait les harmonies à la main droite et la main gauche. Donc, Do majeur 9e, on commence donc introduction, Do majeur 9e, voilà, et on commence sur un Do majeur 9e, très original, n'est-ce pas? Donc, alors, deuxième harmonie, c'est un Ré avec quinte diminuée, donc gamme de Ré,
toujours en degrés, hein, bien sûr, hein, dans sa gamme naturelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Tonal, tierce, quinte, 7e. Vous voyez, déjà, on est déjà tout de suite en train de corroborer ce que l'on dit. Vous avez le ré ici au-dessus. Un demi-ton en dessous, c'est majeur 7e. Et un demi-ton en dessous, c'est 7e. Vous voyez, très facile à trouver. Eh bien, on va abaisser la quinte. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer là, ben on va jouer la bémol. Donc, ce qui nous donne donc ré, tonal, tierce majeure, quinte diminuée et la septième. Ça nous fait ré, la bémol, sol bémol, la bémol et do. Voilà. Donc, depuis la première harmonie, re, do majeur, septième, neuvième, fa septième. Un fa septième renversé. Gamme de fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Donc pour faire fa septième, tonal, tierce, quinte, septième. En effet, vous voyez, la majeure septième est ici. Nous, c'est la septième qui nous intéresse. Bon, on va tout simplement garder la tonale et la tierce en place. On va renverser la quinte avec le do en bas, voilà. Et la septième en bas également. Donc do, mi bémol, fa. Et là, c'est simplement un renversement, vous voyez, on pourrait faire ceci, c'est déjà, c'est moins pratique, ça c'est très pratique, d'accord? Ou alors, vous pouvez le jouer ici, comme ça, dans sa formule fondamentale. Ou alors qui, voilà, donc, do majeur septième, do septième, mi. Et alors là, 1, 2, 3, 4, donc nous, mi, 1, 2, 3, 4, d'accord? Vous descendez chromatiquement, si bémol, la bémol, jusqu'à arriver sur le do tonal tierce quinte, voilà, avec le fa, le sol, pardon, d'accord? Donc je reprends tout doucement la ligne. Vous bougez pas le do ni le mi et vous bougez seulement si bémol, la bémol et sol. Bam, 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 bam. Ensuite, deuxième ligne. Ré mineur septième. La chant il est là. Alors voyons déjà notre première harmonie, Ré mineur septième. Gamme de Ré toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En degré, elle n'a pas changé. Tonal, en revanche, c'est plus une tierce majeure, c'est une tierce mineure. Et 3 demi-tons au-dessus de la fondamentale. Alors que 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale, c'est une tierce majeure. Donc on va donc la tierce est mineure, donc Ré, Fa, la quinte majeure, La, et avec la septième, avec Do. Donc, alors, ici, nous avons un Mi diminué septième. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Mi diminué septième? On va voir comment on le construit. On va déjà regarder la gamme de Mi, à partir de la gamme de Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est toujours dans sa gamme naturelle, bien sûr. Hein. Donc, on va déjà prendre un mi septième, tonal, tierce majeure, quinte et septième, la base de construction. On va garder la note fondamentale ou tonale, c'est la même chose en place. On va descendre un demi-ton la tierce, un demi-ton la quinte et un demi-ton la septième. Voilà. Donc, on se retrouve avec un mi diminué septième. On a diminué tierce, quinte et la septième. Donc, ça, on se retrouve avec mi, sol, si bémol et Ré bémol. Et ça, c'est une harmonie, par exemple, tous ces accords diminués sont très faciles à renverser. Et ils sont très simples à renverser. Hein. Donc, mais nous, on va l'utiliser dans cette position-là. Hein. Avec la note fondamentale, bien sûr, la tonale à la main gauche. Hein. Donc, Ré, Ogiatem, Sereno, Pai. Ré mineur sixte, donc de la septième, on passe à la 6. 1, 2, que ce soit en mode majeur ou mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc tonal, tierce mineur, quinte et sixte. Ré, fa, la, si. Je reprends la ligne.
Rayo Gia Tim Serenio Pai Rayami Ube. La septième, gamme de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Donc, là, on va jouer la septième, tonale, tierce majeure, quinte, et la septième avec le sol. On va garder tout ce petit monde en place, sauf que la septième, le sol, on va le renverser en bas. On va la renverser en bas. Donc, sol, La, Ré bémol et Mi. Trop super fou, Mi, Fa mineur sixte, sixième. Donc, tonal, gamme de Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Tonal, tierce mineure, vous voyez, à partir de la fondamentale, 1, 2, 3, demi-ton. La quinte et la sixième, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, Do et Ré. Donc, Fa, La bémol, Do et Ré. Voilà. Perfumi. Et alors là, en transition, Si mineur 7 quinte diminué, Mi 7ème. Alors, Si mineur 7 quinte diminué, on va le regarder dans sa position fondamentale, gamme de Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7ème octave. Voilà la gamme de Si. Hein. Donc, tonal, tierce mineure, quinte diminuée et la 7ème. Et que des blanches, voilà, c'est formidable. Donc, on va garder la tonale et la tierce en place. La quinte diminuée, on va la renverser, le Fa, en bas. Et le La, qui est la septième, on va la renverser aussi en bas. Voilà. Donc, c'est aussi un renversement, vous voyez. Tout ça, ce sont des renversements que l'on peut aisément pratiquer. On va utiliser celui-ci parce qu'il est très proche, voyez-vous, de la résolution Mi septième. Donc, Si mineur, sept quinte diminuée. Nous avons donc Fa, La, Si, Ré et résolution Mi septième. Donc dans la gamme de Mi, tonale, tierce, quinte, septième. Donc Mi toujours, ça n'a pas changé, hein, La bémol, Si et Ré. Voilà. Allez, on fait les deux lignes. Vaia onda viva, non vem caia fonda qui, sopra mio nome. Son perfume 1, 2, 3 et 4. Alors là, on a un superbe pont. Oh, mi amigo segredo. Alors d'abord, Si bémol 6ème. Oh, mi. Gamme de Si bémol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majeur 7ème octave. Tonal, tierce, quinte, 6ème. Si bémol, Ré, Fa, Sol. Oh, mi amigo. Fa dièse septième. Gamme de Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte, septième. Donc Sol bémol, Si bémol, Ré bémol, Mi. Segredo. Alors là, nous avons un Si bémol mineur septième. Tonal, tierce mineur, quinte. Sixième, et c'est là, donc on va jouer la sixième, le sol, retourné, voilà. Si bémol mineur, sixième, on va renverser, pardon, voilà, je recherchais mon vocabulaire, on va renverser le sol en bas, la sixte, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc sixte, tonale, tierce mineure et la quinte. Donc sol, si bémol, ré bémol, fa. Avec bien sûr la note tonale, bien sûr la main gauche. Donc je reprends sur la. Oh mi amigo segredo, segredo. D'accord. Alors, comment dirais-je? Oui, c'est très simple. Donc, oh mi amigo. Segreto. Et alors là, vous pouvez jouer ici, Ré mineur 7ème, ou alors renverser là ou là, comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous renversez la note tonale, soit vous renversez la tierce mineure, vous voyez. Bon, moi je vous l'ai montré dans sa position fondamentale, c'est vous qui appréciez, hein.
Ça dépend après si vous transposez ou pas, plus aigu ou plus grave. Ça, les transpositions permettent, vous voyez, d'être plus grave ou plus aigu, n'est-ce pas? Tout simplement. À partir du moment où vous faites les mêmes notes, ça pose aucun problème. C'est vous à l'oreille, ce que vous pressentez de mieux. Ce sont des options personnelles, hein. Donc, où en étais-je? Voilà. Attendez, j'ai perdu les notes. Voilà. Voilà, j'y suis. Ré mineur septième. Corazón, la septième, je reviens pas dessus. Hein. Sol, la, ré bémol, mi. Abalança. Fa mineur 6, je reviens pas dessus, puisqu'on a ici une harmonie qu'on a déjà utilisée. Fa, la bémol, do, ré. Et on résout par mi septième. Une harmonie qu'on a déjà aussi utilisée. Mi, la bémol, si et ré. Et là, on revient sur Pai, Do majeur septième, ou vous pouvez mettre la neuvième, comme vous voulez. Pai, O tempista. Là, vous jouez sans la quinte diminuée. Le Ré septième. Virando Pai, Fa mineur, majeur septième. Tonal, tierce mineure, quinte et majeur septième. Vous voyez? Donc, on a bien le Fa, La bémol, Do et Mi. Et on va résoudre. Tout simplement, la majeure septième sur la sixième, du mi sur le ré. Donc je reprends. Pai o tempista, mirando pai, medicha respira. Voilà, d'accord? Et là, oh, vento. Voilà, vous voyez, on a vraiment un pur la majeure septième. Vento. Donc, gamme de La, toujours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, n'est-ce pas? Et tonal, eh bien c'est La majeur 7e. On est bien à un demi-ton, vous voyez, en dessous de la note tonale qui est là. Au 22. Alors si vous pouvez, vous voulez descendre la gamme naturelle. Et là, 22, Fa majeur 7e. Ou alors vous restez là. 22. La majeur septième, tonale, gamme de Fa, hein, toujours. Majeur septième, tonale, tierce, quinte, majeur septième. Vous voyez un demi-ton en dessous du Fa, pour corroborer ce que je vous dis tout le temps. Donc Fa, La, Do, Mi, donc 22. Donc nous avons La, Ré bémol, Mi et La bémol. Vous pouvez descendre la gamme. Et là, comme vous voulez. Deuxième couplet-refrain, puisqu'on l'a achevé. Donc ça va être la même chose, sauf exactement la même chose, sauf que les paroles vont changer. Donc je vous propose d'avancer, parce qu'on a la bossa nova à faire après. Donc, ne, mon banco, do majeur, septième, neuvième, mon banco, ne, pardon, avec ré, septième, quinte diminuée. Umpeshikai, Do majeur septième, neuvième, Atajikim. Fa septième renversé, Sabemeunumi, Do majeur septième, Do septième, avec donc sixte, quinte augmentée, Do, tout simplement. Voilà. Ensuite, deuxième ligne, Pai septième, Ré mineur septième, Ningem. Mi bémol, diminué septième. Mi, pourquoi bémol? Mi, diminué septième. Passem dingem, c'est pas chez Pera. Ré mineur sixte. Au sol, mi ou bém. La septième. Terra siu, mi. Fa mineur sixte. Sixième. Et là, résolution. Si mineur sept, quinte diminué. Mi septième. Comme on l'a déjà vu. Pareil, hein. Si bémol sixième. Mi ou. Namorado, Fa dièse septième, Era giu. Donc Si bémol mineur 6, Ré mineur septième, Sai gi deu eum deu. La septième, Ami bushka. Pardon.
en Fa mineur 6, résolution mi septième, et là, Do majeur septième, Pai o tempo vai, Ré septième, Mira mio pai, Fa mineur septième, majeur septième, d'accord, Fa mineur majeur septième, d'accord. Toujours la même chose. Pai mi de chi camina o vento. Vous pouvez jouer la gamme de là. Et là, vous, bien sûr, une fois arrivé, un demi-ton au-dessus de Fa. Vento. Vento. Et alors là, on va monter. Si o. Donc on a terminé le deuxième couplet refrain. Si o ma. Et on va jouer les mêmes harmonies. Sauf que c'est, je vous donne le chant. Si o ma. Ti mo con la. La bémol septième. Donc si o ma. Ti mo con la. D'accord. Donc si o ma. Do majeur septième, vous pouvez le jouer là ou là. Té mon cora. La bémol septième, gamme de la bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte, septième. La bémol, do, mi bémol et sol bémol. Voilà. Donc, je reprends. Si on m'a té mon cora, la estrella o caramuju. Donc ici ou là, hein, le Do majeur 7e, 9e. Ungaleo, Fa mineur 6. No lu do mi mineur 7e. C'est très joli là, la nuance. Donc mi mineur, tonal, tierce mineur, quinte et 7e. Donc on a mi, on a sol, on a si, ré, celui-ci on ne l'avait pas vu. Et on va résoudre par la quinte diminuée, c'est-à-dire le si devient bémol. La septième, voilà. Et ensuite on va poursuivre. Donc je vous reprends la ligne d'abord. Si o ma ultim coran o estrella o cara la o la cara mujungaleo nulundu. 3, 4. Je reprends. Hein. Si o, sans faire de sans appuyer sur la mélodie. Hein. Si o ma ti mo cora la estrella o cara mu jungaleo mulundu 3 et 4. Et là, joga, donc joga, c'est là, joga. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est jouer le Ré mineur ici. Comme ça, vous serez très proche du Si bémol mineur. C'est-à-dire le Ré mineur. Donc, ah, c'est le renversé hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, Ré mineur 7e. Joga. Vous pouvez le jouer ici. Donc, ça fait La, Do, Ré et Fa. Donc, Joga. Joga. Danum quinta. Si bémol mineur. Tout simplement. Tonal, tierce, quinte. Vous abaissez la quinte majeure à la hauteur de la mineure, c'est-à-dire 1, 2, 3 demi-tons au-dessus de la note tonale, voilà, de la fondamentale. Donc ça me fait Si bémol, Ré bémol et Fa. Donc je reprends. Si on m'a, joga danum quinta, un chuta concha, Ré mineur septième, guarda o ma, Ré si bémol mineur, no se esto. Fa mineur 6, Si mineur 7, quinte diminué, Mi 7e. Et là, évidemment, après, Ai, donc Si bémol 6e, on l'a déjà vu, Ai meu amor, Fa dièse 7e, para siempre. Si bémol mineur 6, ensuite, Ré mineur 7e, Nunca mi conceda, La 7e. Dissanda, Fa mineur 6, Mi 7e, on arrive à la fin, conclusion, Pai, Do majeur 7e, O tempo vai, Ré 7e, Vira meu pai.
fa mineur majeur septième, de sha mi ka re ga ro ventu. Là, la majeur septième, ventu fa majeur septième, ventu la majeur septième, re fa majeur septième, ventu, ven re. Alors ré avec sol sur la quinte du sol, ventu. Par exemple, hein. Voilà, c'est-à-dire sol, si, ré, ou alors vous pouvez juste faire ventu, et comme ça on retombe sur ses pattes, je vais dire avec do majeur septième, d'accord. Donc je vous fais la transition, hein. Ou ven, à partir de la fin du deuxième couplet refrain, ventu. J'ai simplement descendu la gamme, hein. Ventu. Là. Si au mat mon cola, si vous voulez vous aider de la mélodie, hein, c'est la quinte là ici, hein, le mi bémol. Astrela o caramu, giungaleo, fa mineur 6, non lundu. Quinte diminuée, mi mineur 7ème, quinte diminuée, la 7ème. Jogada, ré mineur 7ème, non quinta, si bémol mineur. Anchuta concha, ré mineur, guarda no ma, o ma, si mineur, bémol mineur, no se o estudio, fa mineur 6, si mineur 7, quinte diminué, mi 7ème. Ai, si bémol 6, ai, meu amor, meu amor, fa mineur 7ème, fa dièse 7ème, pardon. Para siempre, si bémol mineur 6ème, hein. Et là, bien sûr, ré mineur 7ème, nunca mi conceda, la 7ème, descansa, fa mineur 6, mi 7ème, do majeur 7ème, pai, o tempo vai, ré 7ème, mirar mi o pai, fa mineur majeur 7ème, deixa mi carrega, pai, deixa mi carrega, fa mineur 6, o vento. La majeur septième, par exemple, ventu. Là, vous pouvez remonter la gamme de fa si vous voulez, ventu. On peut faire des choses plus, mais ça, pas ici. Voilà, c'est, on fait simple. Ventu, ventu. Vous pouvez aussi chanter le chant sur ventu, sur le si, hein, voilà, enfin, comme vous voulez, sur manière de... Et voilà, voilà la fin de la chanson. Donc, vous avez enfin la, tous les outils harmoniques. Je vous propose, pour faire une belle balade somptueuse, je vous propose désormais de passer à la bossa nova, parce que le temps file, et que il faut que je vous explique comment, tout simplement, le plus simplement du monde, on va l'articuler, hein, comme toutes les bossa nova. Pour mes amis un petit peu plus avancés. Donc on va prendre toujours la quinte et la tonale, pardon, fondamentale, et on va prendre la quinte et on va renverser la quinte. Donc là, notre première harmonie, c'est Do. Ce qui compte, on se moque un peu du mode majeur ou mineur, là, ce qui compte, c'est la fondamentale, c'est la tonale, c'est-à-dire, c'est Do, et bien, on joue Do, donc à la main gauche, hein, bien sûr. Donc tonale, où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est Sol. Donc je garde la fondamentale, la tonale, en place, et je renverse la quinte. Donc, on fait de la bossa nova comme ça, très simple. Alors, ce que je vous propose, c'est que je ne joue pas comme ça à l'ordinaire, bien sûr. J'enlève les deux doigts qui gêneraient votre belle vue, dans, on va dire, en duo, n'est-ce pas, zénital. Et comme ça, vous voyez articuler toujours les deux notes nécessaires qui cadencent. Pam, pam, tam, pam. Pam, pam. Il y a plusieurs manières, mais voilà, au moins comme ça, voilà. Pam. Vous voyez, vous avez une belle vue. Donc on va jouer Do et Sol. Alors c'est Ré, que la quinte diminuée soit ou pas diminuée, ce qui compte c'est la quinte. Donc où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, mode mineur ou majeur. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. Donc on voit bien clairement que c'est là. Donc je renverse le La, voilà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois,
Comme ça, vous n'avez pas à chercher finalement dans la gamme où se trouve la quinte. Je vous l'annonce, on joue toute la chanson tranquillement comme ça. Je reste bien entendu beaucoup plus longuement le temps de vous expliquer en même temps sur les mesures, le temps de vous nommer l'harmonie, le chant. J'essaie de tout faire et de vous montrer en même temps les deux notes de la basse. D'accord? Donc, Vaï, Do et Sol, Aum, David. Donc, sur le Ré 7 quinte diminué, on a Ré là. Anouvem Kaï, on revient sur Do majeur 9e, donc Do et Sol. Afoinakim, Fa avec Do, avec sa quinte renversée. Sopramiunumi, donc Do et Sol là. Même mode 7e, on bouge pas la basse, voyez-vous. 7, 6th, quinte augmentée, quinte. Ré mineur 7e, mineur ou majeur, aucune importance. Ré avec La. Rayojiatim. Alors là, c'est intéressant parce que, regardez bien, la quinte est diminuée, n'est-ce pas, du Mi. Eh bien, nous aussi, on va la diminuer. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer la quinte du Mi qui est normalement le Si, on va la diminuer aussi, le Si bémol, n'est-ce pas? Donc, on va jouer Mi et Si bémol. Donc, où en suis-je? Voilà. Sereno, opai, on revient sur Ré et La avec Ré mineur 6, Raliam, La avec Mi, Trosum, Mi, Fa avec Do, Si mineur 7e diminué, on va jouer Si avec la quinte diminuée aussi, hein, qui n'est pas donc Fa dièse mais Fa, donc Si et Fa. Et on résout par Mi 7e, donc Mi et Si, hein, n'est-ce pas? Et là, donc Si bémol et Fa, Om mi amigo, la quinte 1, 2, 3, 4, 5, c'est Do dièse, donc Fa dièse et Do dièse, Migo segredo, ben, on revient sur Si bémol et Fa, Ré mineur 7e, Ré avec La, Pon mi corazón, La avec Mi, sur la 7e, à balançant. Sur le Fa mineur 6, on a Fa et Do. Hein. Sur Mi 7e, on a Mi et Si. Hein. Donc Do majeur 7e, Do et Sol, hein, facile. Paiutempishtava, Ré avec La. Birandu, Pai, Fa avec Do. Sur le Fa mineur majeur 7e, Midisha, vous voyez, sur le La majeur 7e, on a La avec Mi. Hein. Vento, Fa majeur 7e, on a Fa et Do, hein, tout simplement. Et là, on redescend. Si vous pouvez le faire, c'est un petit truc chromatique de rien du tout. Hein. Mais, ou sinon, vous allez directement, boum. Hein. Deuxième couplet. Nembako, donc Do majeur, Do avec 7e, 9e, Do avec Sol. Nembako, Ré avec La. Umpeshikai, Do avec Sol. Atajikim, Sol, Fa 7e, on a Fa et Do. Sabemeunumi, Do et Sol. Do 7e, bam, Ré mineur 7e, Ré avec La. Passagem, Mi avec Si bémol. C'est Machepera. Ré avec La. O sol, Mi, ou Vé. La avec Mi. Terasium, Mi. Fa avec Do. Si avec Fa. Si mineur 7e diminué. Mi avec La. Si. Meu, Si bémol avec Fa, meu namorado, Fa dièse avec Do dièse, Eragio, Si bémol avec Fa, Bai, Sai, pardon, La ou La ou La, Ré mineur avec La, Sai, Ti, Deu, Deu, La avec Mi, Ami, Bushka. Mineur 6, donc Fa avec Do, hein. Mi avec Si, Pai, Do majeur 7e au tempo, Vai, Ré avec La, Virami ou Pai,
fa avec do, mi des chacun, mi nia, oh oui. Tout la majeure septième là avec mi. Bien tout. N'est-ce pas? Voilà. Et là, oh, si au main. Donc là, ça ne change rien. Do avec sol, si au main, t'es mon corin. Alors là, ça change parce que la bémol. Évidemment, c'est la bémol et mi bémol. Au corin, estrella, au caramujo. Do avec sol. Om galeo. Fa avec do. Mon loudou. Mi mineur. Donc, c'est do avec mi avec si. Et comme on va abaisser la quinte, eh ben, on va baisser aussi la quinte, n'est-ce pas? Galeo, no loudou. Donc je reprends. Si au mante mon corin, la estrella au cara mujunga, leo non ludo, pa 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 pa. Et ensuite, bien sûr, on résout par la septième, donc la et mi. Et donc dans le passage du mi mineur au mineur avec la quinte diminuée, on va jouer la quinte diminuée. Pam, badata, pam, pam, badata. La septième. Ensuite, où est-ce que j'en suis moi? Joga, voilà, c'est ça. Ré mineur, donc ré avec la. Joga, nanum quinta. Si bémol avec fa. Anchuta concha, ré avec la. Guarda oma. Si bémol mineur, donc si bémol avec fa. Oh, no se ostuju. Fa avec do, mineur 6. Hein. Et là, sur le si mineur 7, quinte diminuée. Si avec fa, mi avec mi septième. Et là, ai. Si bémol avec fa, sur si bémol 6. Ai mi amora. Donc, ce fa dièse avec do dièse. Para si. Si bémol avec fa, à la main gauche bien sûr. Ré mineur, septième, ré avec la. Nunca mi conceda, la avec mi bien sûr. Discansa, fa avec do, ba, da, ré, mi septième, ba, da, 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 da. Do majeur septième avec sol, pa, yo, tempo, ba, ré avec la. Mi ou pa, déjà mi carrega, toujours là avec fa avec do, oui, tout, donc la majeur septième, donc là avec mi, bien tout, sur le fa majeur septième c'est fa et do, bien tout, la redite là avec mi, bien tout, fa avec do, et là, faire sol, fa, la, ré, ré, ou alors ré, ré, comme vous voulez, d'accord, ré, ou avec un sol tout simplement majeur, ré, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, je vous fais la transition. Si au mati mon corin, a estrella au cara, mujungale, unuludum, badetom, badetom, badetaba, didididududududum. Jogare nun quinta, lanchuda conchua guaroma, el soneo estudio. Si mineur 7, quinte diminuée, mi septième. Ai meu amor para sempre. Ré mineur 7ème, nunca mi conceda distanza. Pai, o tempo vai virar meu pai, deixa-me carregar com o vento. La majeure 7ème. Bem, tout, majeur, fa
majeur septième, vento, la majeur septième, vento, fa majeur septième, vento. Voilà mes amis, je pense que vous avez voilà, l'essentiel, un vademécum comme l'on dit, pour pouvoir réaliser cette somptueuse chanson. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Donc puis la chanter voilà, au gré du vent et de vos inspirations. Naturellement, vous pouvez utiliser tous les renversements, hein, il y a plein d'options, hein, mais voilà, avec le temps qui est nécessaire, je ne peux pas. Et pour bien étudier cette chanson, il me faudrait une journée entière avec vous pour regarder chaque détail, chaque possibilité harmonique. Mais c'est déjà très bien comme tel, hein, on peut très bien s'amuser comme ça. Donc merci infiniment de votre attention, de votre fidélité. Et puis je vous propose aussi, si vous avez la curiosité d'explorer toute ma chaîne, vous découvrirez bien entendu ma passion pour Tom Jobim, Carlos Tom Jobim, et puis pour Michel Legrand bien entendu, pour lequel j'ai consacré toute une playlist hein, avec des centaines de tutoriels. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, et puis prenez du plaisir parce qu'il ne s'agit que de cela. Voilà, cette très belle chanson, encore une fois de plus, de Chico Buarque, qui lui aussi est un grand compositeur. Donc merci pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.